Dans une vidéo précédente, on avait défini une variable aléatoire discrète, qui était le nombre d'entraînements que j'avais fait dans une semaine, et on avait étudié sa loi de probabilité, donc c'était une variable qui pouvait prendre les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, hein, avec les probabilités associées qui sont ici. Et ce qu'on avait fait dans cette vidéo-là, c'était calculer l'espérance mathématique de cette variable x, qu'on peut appeler aussi la moyenne de la variable aléatoire x1. Et cette espérance mathématique, on l'avait calculée en faisant la moyenne pondérée des valeurs de la variable par leur probabilité. Donc on avait pris la première valeur multipliée par sa probabilité, plus la deuxième multipliée par sa probabilité, et ainsi de suite. Voilà, et dans le cas de notre variable x discrète, l'espérance mathématique qu'on avait trouvée, c'était 2,1. Alors ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est étendre cette idée-là pour mesurer la dispersion que peut avoir notre variable aléatoire. Et donc on va procéder comme en statistique, on va d'abord essayer de déterminer la variance de notre variable aléatoire, et puis ensuite on prendra sa racine carrée pour trouver l'écart type de notre variable aléatoire. Alors comme je t'ai dit, on va procéder, on va faire ces calculs exactement comme on l'a fait dans le, le cas de série statistique. Alors pour calculer la variance, je vais la noter comme ça, la variance de la variable x. Souvent elle est notée aussi simplement v de x, mais ici on va la noter comme ça, var de x. Eh bien, je vais prendre l'écart de chaque valeur par rapport à l'espérance de la variable x, élever cet écart au carré et multiplier par la probabilité de la valeur. Alors je vais commencer avec la valeur 0, donc la probabilité c'est 0,1, que je vais multiplier par l'écart de la valeur 0 par rapport à la moyenne, donc c'est 0 moins 2,1, et ça je vais l'élever au carré. Voilà, ça c'est pour la première valeur. Ensuite, pour la deuxième, je vais faire la même chose. Je vais prendre la probabilité qui est 0,15. Et je vais multiplier cette probabilité par l'écart au carré de la valeur 1 par rapport à la moyenne. Donc 1 moins 2,1 au carré. Ensuite, je vais faire la même chose avec la valeur 2. Donc la valeur 2, sa probabilité, c'est 0,4 que je vais multiplier par l'écart au carré de la valeur 2 par rapport à la moyenne, donc 2 moins 2,1. Ensuite, je vais faire la même chose avec la valeur 3, alors pardon, la valeur 3, sa probabilité c'est 0,25, que je vais multiplier par l'écart de 3 par rapport à la moyenne, donc la différence entre 3 et la moyenne, que je vais élever au carré. Voilà. Et puis enfin, il reste la dernière valeur, donc plus, pour la valeur 4, la probabilité c'est 0,1, que je vais multiplier par la différence entre la valeur 4 et la moyenne, donc 4 moins 2,1, élevé au carré. Voilà, ça c'est le calcul en extension, hein, écrit en extension, je vais le faire avec la calculatrice. Donc voilà, alors j'ai d'abord 0,1 multiplié par, alors ici, c'est 0 moins 2,1, ça fait donc moins 2,1 que j'élève au carré, donc c'est 2,1 au carré. Plus, pour la, le deuxième terme, j'ai 0,15 multiplié par, alors ici, 1 moins 2,1, ça fait moins 1,1 au carré, donc ça fait 1,1 au carré. Plus... Pour le troisième terme, c'est 0,4 multiplié, ici je vais avoir alors 2 moins 2,1, ça fait moins 0,1. Quand j'élève au carré, ça fait 0,1 au carré. Voilà. Plus ici j'ai 0,25, j'en suis là. Multiplié par, alors, ah ici j'ai mis 2,5, mais c'est 2,1 évidemment. Hein. C'est 2,1. Voilà. Alors je reprends la calculatrice. Donc j'en suis à 0,25 multiplié par, alors cette différence-là, 3 moins 2,1, ça fait 0,9. Donc il faut que je multiplie par 0,9 au carré. Plus ensuite 0,1 multiplié par... Alors ici l'écart c'est 4 moins 2,1, ça fait 1,9 au carré. 1,9 au carré. Voilà. Et ça me donne 1,19. Donc la variance ici c'est 1,19. Voilà. Ça c'est la variance de x. Et du coup maintenant si je veux calculer l'écart type de ma variable x, alors l'écart type on le note comme ça, sigma de x, hein, sigma pour écart type comme en statistique, et puis on met le x de la variable pour indiquer que c'est l'écart type d'une variable aléatoire, et bien c'est la racine carrée de la variance, donc c'est racine carrée de 1,19, et la calculatrice nous donne donc racine carrée de 1,19. 19 et ça donne 1,091 on va dire. Voilà, 1,091. Alors, on peut même ici se satisfaire d'une précision au centième. Voilà, je vais enlever ça. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est regarder le sens qu'on peut donner à tout ça. Alors, pour ça, je vais utiliser une... je vais représenter un peu mes données. Donc, je vais tracer voilà, comme ça un axe ici, et puis ici je vais représenter alors la valeur 0, la valeur 1, la valeur 2, la valeur 3 et la valeur 4. Et en fait je vais interpréter les probabilités comme des, des fréquences. Hein. Ici c'est 10%, voilà, ça c'est 10% de chance que la valeur 0 soit retenue, enfin atteinte. Bon, je ne fais pas d'axe, hein, mais donc ça, ça sera 0,1. Cette hauteur-là, c'est 0,1. Pour la deuxième, c'est 0,15. Donc ça sera 15 sur 100, 15%. Alors c'est un peu plus grand, je suis en bleu. C'est voilà, cette hauteur-là. Voilà, une fois et demie, celle-ci. Voilà. Pour la valeur 2, c'est 0,4. Alors la valeur 2, c'était en rose. Et donc là, il faut que je prenne 4 fois cette hauteur-là. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Ça fait à peu près ça. Quelque chose comme ça. Et puis pour la valeur 3, 0,25. Alors 0,25, c'est 25%, 25 de chance. Donc ici, c'est 10, 20, 25. C'est là. Voilà. Et puis pour la valeur 4, eh bien c'était 10 donc la même chose que pour la valeur 0. Voilà, alors là-dessus on peut placer la moyenne, la valeur moyenne c'est 2,1 donc elle est ici à peu près, ça c'est la moyenne E de X l'espérance mathématique. Et donc déjà, on peut se dire que l'espérance mathématique, ça correspond vraiment, à une, ça donne vraiment une bonne idée de la valeur centrale des données, hein, comme, comme la moyenne pour une série statistique. Et puis si tu regardes l'écart type, alors sigma de x, l'écart type de ma variable, c'est 1,09. Alors en partant de la moyenne, si j'ajoute 2,1 plus l'écart type, ça va faire 3,19, donc environ 3,2, c'est à peu près ici. Hein. Donc l'écart type supérieur, c'est ça. Et puis si je prends la valeur 2,1, donc l'espérance mathématique moins l'écart type, donc ça fait à peu près 1. Donc ça va être très proche de 1. Donc voilà. À peu près quelque chose comme ça. Et donc tu vois que là, si on interprète ça comme ça, on voit bien que, comme dans le cas des séries statistiques, eh bien, notre écart type donne une bonne idée de la dispersion des données autour de la valeur moyenne.